Ici Kev Johnson. La coopération est avant tout une affaire de confiance. Et comme l'indiquent nos données, on ne peut pas faire confiance aux humains. La solution? Les robots. Et puis virer le type qui les a conçus pour créer de meilleurs robots. Ensuite, faire passer à ces robots une série d'exercices de confiance. Encourager un respect mutuel. Renforcé par une véritable et sincère amitié artificielle. Très émouvant. Enfin, on met cette confiance en pratique. Et voilà. 6 secondes de coopération de plus que les humains. Bravo les robots. Kev Johnson, terminé. Salut à tous, ici Ebon Wings et je suis en compagnie de Marc Légende aujourd'hui pour Portal 2. Ça va Marc? Ouais. Et oh, on... merde. Et on est sur Portal 2 évidemment. Portal 2 que tu as acheté à 5€, que j'ai acheté à 20€. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Franchement. Effectivement. Et on va faire la campagne coopérative. Je suppose qu'il y aura la Marc Vision et la Ebon Vision encore. Comme toujours. Hein. Mais heureusement ici j'ai eu un petit bug au début, en faisant ma danse du Gundam Style avec le robot, bah, j'ai eu un petit retour Windows et ça a fait que j'ai eu un petit écran noir, mais c'est pas grave ça. Ouais, c'est vraiment 10 ou 15 secondes. Moi aussi ça a planté, mais c'est pas grave. Bon. Alors What? Eh ouais, ça commence. Allons-y cher ami. Portal 2 c'est vraiment un jeu que j'adore. Ça a été la claque de cette génération pour moi. C'est le meilleur jeu de cette génération, mais qu'est-ce que tu fous? Non, là c'est... Je vais sur le bouton. Non, là c'est le DLC, là. Faut pas aller là. Là c'est pour... c'est le dernier... C'est la dernière chambre de test qui est super difficile. Ah, on va commencer par les premières, si tu veux bien. Mais bah je ne savais pas, hein. Laisse-moi tranquille. On fera celle-là à la fin. Ça. Ok, d'accord. Donc, on a lancé... On fera... On fait une vidéo de... Il disait que comme la plupart des gagnants, vous trouveriez ce fait intéressant. Nous reçoit 5 points de collaboration scientifique. Vas-y, ouvre la porte. Bon, maintenant, que fais-tu? Tu ouvres des putains de portes. Tu ouvres la porte. Tu réouvres la porte. Merde. Et tu viens par ici. Non, tu rouvres la porte. Non, tu dois faire là-bas au bout. Ouais, je sais. Allez, voilà. Allez, viens. La 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 la. Hello. High five. J'ai pris un vide. Arrêtez. Le saviez-vous? Ces appareils servaient à immortaliser les moments de souffrance les plus marquants des cobayes. Si le sujet survivait au test, il pouvait acheter la photo pour $5. Sinon, elle était gracieusement offerte à ses proches parents. Les photos n'ayant pas eu de succès, nous avons recyclé les appareils. Fiche-toi, pute. On doit faire quoi, là? Petit fouet. Activer les 4 assez rapidement, les 4 boutons. Donc 2 chacun, c'est quoi? Mais arrête! Va là, derrière la grille. Derrière la grille, non. Une grille? Là. Donc, tu actives celui-ci. Enfin, tu prépares déjà tes deux portails, tes deux portaux. T'actives celui-ci, tu cours, tu vas activer l'autre. Et je fais pareil de mon côté. Mmh. Ok. 3, 2, 1, corps! Voilà. Ah, voilà, bah, non, deux, une boule! À moi la boule! Vas-y, on joue au foot! À moi! Parfait. À moi! Vous formez une très bonne équipe, grâce à celui d'entre vous qui fait tout le travail. À moi la boule! Lequel des deux fait tout le travail? Moi, bien évidemment! Ça bug un peu. Et
on s'installe, on se refait désassembler parce qu'on est des pets. J'ai une magnifique vision de toi en train de te faire désassembler. Mon dieu, tu fais 80 cm de haut. Ces tests peuvent se révéler mortels si vous ne maintenez pas une communication, une collaboration et un respect mutuel de tous les instants. Ce sera un défi le plus intéressant pour l'individu. Je vais te tuer avec la performance de votre coéquipier. Je vais te tuer pour la cause, tiens. Mais je vais créer des portails. Et je suis Peabody et il est Atlas. C'est... Pendant le tutoriel, c'était le contraire, mais bon. Ouais, mais parce qu'on a eu un petit bug, on a dû recommencer, on a dû recouper puis relancer portal. Ouais. Enfin bref, je vais lancer mon petit chrono histoire d'être tout tranquille. Oui. Rebonjour. Attends. Ce parcours de test avait été créé pour les humains. Il encourage la collaboration. Contrairement à nous, la collaboration n'est pas innée chez les humains. Là, je lance mon chronomètre, même malgré que j'ai au moins 2 minutes de retard, mais c'est pas grave. Allez, première salle de test. Bon, Dieu, la porte est ouverte. Tu devrais d'abord passer, ouais, non? C'est vrai. En effet. Attends. What's up, my friend? What's up, bro? Tiens. Rejoins un mois. Ouais, mais tu devrais pas d'avoir passé le portail. Si, ouais. Enfin, la porte. Orange reçoit 5 points de collaboration scientifique. Maintenant, tu remets un autre portail pour que je puisse traverser. Oui. C'est lequel que j'avais mis, c'est le... D'ailleurs. Non, c'était l'autre. Eh merde. J'ai trompé de clic. Bon, d'accord, on recommence. Bon. C'est celui-là. Mais par contre, il faudrait que tu ouvres la porte. Ouvre la porte, hein. Je sens que ça va être génial. On va se planter. Allez, viens. Ouvre la porte. Non, va de l'autre côté et passe par... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, tu mets le rouge maintenant. Non, viens, passe par la porte, elle est ouverte. Ah, d'accord. Ouais, mais non, mais non, ça va pas, en fait. Laisse-moi faire. Oh putain, ça va être cool. Ça va être génial. Voilà. Alors, on traverse mon portail maintenant. Non, mon portail. Okay. Salopard. Ça commence déjà. Bon. Parfait. Bien que la science soit toujours collaborative, gardez à l'esprit qu'à l'instar d'Albert Einstein et de son cousin Terry, l'histoire ne se souviendra que d'un seul d'entre vous. Je suis avec toi dans l'ascenseur. Non, tu peux pas. Non. Dommage. Dieu. Et on se fait désassembler encore une fois. Ouais. Cette violence. Parce que c'est fun. Cette violence. C'est fun de se faire désassembler. Il va falloir que tu t'y mettes à faire la campagne solo parce qu'elle est juste extraordinaire. Le saviez-vous ? Faut que tu la fasses. Ouais, je sais. J'ai déjà fait un peu le début, mais voilà. Le score le plus faible. Je me dis. Remets ce truc dans ce putain de portail. Voilà, je vais créer... Maintenant, tu remets ton putain de portail de l'autre côté pour qu'on puisse traverser. Non, il fallait que tu mettes le mauve là. Non. Ah non. Oh, mon dieu. Comment c'est trop facile. Dieu. Mais c'est normal, c'est la première chambre. Non. Ouais. Oh. Encore vide. Est-ce que le papier a mal monté? Bon, là. Encore vide. Bon. Oh putain, ça, merde. Ça sert à rien. Fuck. Mais c'est des tarés, ils veulent nous tuer. Oui, c'est normal. Attends, je vais sur le bouton. Le bouton. Derrière. Mais non. Non, reste sur le bouton. C'est l'un des nôtres. Je plaisante. Leur destruction fait partie du test. Évidemment. N'y attachez pas plus d'importance que j'en attache à moi.
Mais attends deux secondes, mon ami. What? On va manger des patates. Manger des patates. Mmh. Où est-ce qu'il y a un truc de portail? Attends. Mets ton portail là. Où ça? Là. Là où là? Tu mets un endroit où j'ai mis bien. Ça m'a l'air fort eux quand même. Ah non, attends. Vas-y. What? Voilà. Mais le problème, c'est que c'est possible. Non, en fait, regarde. C'est tout simple. Tu mets ton portail là et puis là. Oui. Comment est-ce qu'on fait encore pour indiquer? Okay. Comment est-ce qu'on fait encore pour indiquer un truc? C'est F. Ok, d'accord. Divulguer les scores de chacun fausserait les tests. Mais je peux quand même vous révéler qu'au moins l'un de vous deux a de très très bons résultats. Évidemment. Oui, bien évidemment. La salle de test suivante. C'est moi, tout le monde le sait. D'ailleurs, j'ai enfin réussi à mettre la vidéo de 500 jumps to success sur ma chaîne YouTube. Après l'avoir... En fait, vous utilisiez tout le temps... Mais c'est que ça. Mais non. Je ne sais pas ce que vous me jetez, mais ça ne me plaît pas. J'ai gagné. On a débloqué un nouveau geste. Vous avez trouvé une répartition judicieuse des tâches. L'un s'occupe des problèmes intellectuels. T'es nul. L'autre se prêt à mettre son énorme arrière-train à contribution si le test se transforme en concours du plus gros mangeur. Ah oui, ce test. Quelle galère ce truc. Attends. Pour descendre, monter, ok. Tu appuies sur les boutons ou tu y vas? Non, je vais y aller. Tant mieux. Bon, alors, comment est-ce que je fais? Viens. Mon dieu. Viens en bas. J'ai placé un portail rouge là, passe dedans. Mon dieu. La 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 la, what? Vas-y, continue. Non, vas-y, avance. Vas-y. Non, merde. Orange vient d'enseigner une prise. Ce mec m'a littéralement défoncé la gueule. J'ai appuyé sur l'autre bouton, mais je croyais qu'il était un peu plus loin après. Allez. Regarde les trucs par terre, espèce de malade. C'est toi que je regarde. Je vais tuer. Allez, vas-y, il veut me tuer si on est avec sa place. Juste descendre à pied, juste à ta droite, enfin devant toi plutôt. Attends. Voilà. Il descend. Que dois-je faire là? Non, marche dessus, sur le truc jaune. Voilà, comme ça. Voilà. Il veut me tuer, mon dieu. Chemin inverse. Vas-y, avance. Merde. Je me suis trompé de bouton. Non plus. Ah, attends. Tire un portail là. Ah. Ah oui, voilà. Descends le truc. Descends ce putain de truc. Encore. Merci.
Là. Mais. Ouais, mais t'aurais pu le faire ici par terre. Enfin, c'est pareil. Vraiment, bah mais. Mais c'est qui me bloque au passage en plus. Jérôme. Bon, maintenant, donne-moi un putain de portail pour que je puisse revenir. Non, c'est pas là, c'est là. Malgré l'apparence, les points de collaboration scientifique ne sont pas le seul critère de notation de vos performances. Votre score final tiendra compte de nombreux paramètres. Par exemple, orange. Ta gueule, c'est bien avancé. Deux points de conseil contextuel. Mon dieu, alors, c'est long. Hello. Alors, donc, hello. Je disais tantôt pour les 500 jumps, là, machin. Vous avez cheaté comme des enfoirés, en fait. Vous utilisez tout le temps le mode créatif. Ceci n'est pas une compétition. Mais c'est pas j'ai vrai du tout. Au début, orange c'est dégueulasse. Mais ce n'en est pas une. Alors il faut faire quoi ici? Ouais, t'as un gros lag de fou là. La défense est le cube. Et alors, je m'en fous moi. Je comprends pas bien le. J'ai compris, c'est bon. Dégage. Non, mais sérieux là, arrête. Non, je vais mourir. Au secours. Attends que ce soit monté au maximum. Au secours. Ah, que c'est drôle. Tu aimes torturer les gens comme ça. Tu vas aller jusqu'où là comme ça? Ok, c'est bon, tu peux. Tout voilà. Au-dessus. Je m'en fous. Non, je vais y aller cette fois-ci, parce que. Mais d'abord. Ok, ça. Ah bah il est mort. Bah ouais, tu m'as fait sauter dans la flotte. C'est logique que je sois mort. Attends 2 secondes. Et tu dois prendre mon portail là-bas, en fait tu dois positionner le truc pour qu'il puisse monter. Et maintenant tu prends my portail. J'aurais dû le préciser. Le travail d'équipe consiste à collaborer à deux ou plus, généralement dans le but d'éviter un ratage intégral.